Bonjour, je m'appelle Sandra Gilles, je suis responsable qualité au Centre François Vaclès. Bonjour, je suis Laurence Picard, le directeur qualité et gestion des risques du Centre François Vaclès. Avec Sandra, on va vous restituer notre expérience de Calidès. Calidès, c'est une journée de formation dédiée chaque année à la formation des professionnels autour des thématiques de qualité et de gestion des risques. L'événement existe depuis 2011. Chaque année, en fait, à la fois les thématiques et le format peuvent évoluer pour s'adapter soit à l'actualité, soit aux nouveautés. En fait, Calidès, nous, ce qu'on aime dans le concept, c'est que c'est en fait la formation des professionnels par d'autres professionnels experts de la maison. Donc, on va vous présenter nos presque 10 ans d'expérience autour de cet événement qui rassemble quand même chaque année 650 professionnels sur une journée. La création de Calidès est née de deux constats. Le premier fait suite à la visite de certification V2010 où les experts visiteurs de la HAS ont souligné une implication importante des personnels de l'établissement dans la démarche qualité. Mais les démarches déployées dans les différents services n'étaient pas forcément homogènes. Donc on ne pouvait pas dire qu'on parlait un langage qualité commun et partagé par tous. Et puis également, les différentes actions entreprises n'étaient pas communiquées ou partagées au sein de l'institution et au sein des services. Le deuxième constat venait de la part en fait des instances et des commissions, CLIN, CLANCLUD, qui avaient besoin de sensibiliser les professionnels, mais qui rencontraient des difficultés pour sanctuariser des temps de formation déduits. Donc, il était nécessaire de trouver un compromis permettant de rassembler le plus grand nombre de professionnels en un minimum de temps pour pouvoir les sensibiliser sur des sujets en lien avec la qualité et la gestion des risques. La solution pédagogique à mettre en œuvre devait également pouvoir s'adapter aux réalités et aux contraintes organisationnelle, fonctionnelle, architecturale et financière du Centre François Vaclès. Donc, le projet d'une journée dédiée à la qualité et à la gestion des risques a été construit par le service qualité et par le président de CM, qui, depuis la loi de 2009, est en charge de la politique qualité. Donc, ce projet comportait en fait trois objectifs majeurs. Le premier était de renforcer la culture qualité et sécurité des soins du personnel en favorisant les échanges, le partage et la valorisation des expériences et des compétences sur justement les thématiques liées à la sécurité des soins. Le deuxième était d'augmenter également la cohésion au sein de l'établissement et enfin, le troisième, c'était aussi d'affirmer le Centre François Vaclès dans un positionnement résolument tourné vers des soins sécurisés et de qualité, que ce soit à la fois en interne ou en externe. Alors, il y a des incontournables à respecter. Le premier, c'est qu'on ne se lance pas dans un projet de cette envergure sans un soutien fort de la direction et de la CME pour ce qui nous concernait, mais au minimum de la direction, je dirais, parce qu'on va engager des moyens humains, des moyens financiers, des moyens logistiques importants. Donc, sans soutien de la direction dès le départ, c'est compliqué d'y aller. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est qu'il faut une communication robuste. Parce qu'il faut que tout un chacun soit informé de ce projet, puis en suivre l'avancement. Donc, à la fois, il faut un calendrier bien établi. La force aussi de Calidès, de l'équipe qui l'a menée au départ, moi, j'étais pas au centre à ce moment-là, c'est que très rapidement, en fait, ils ont développé une marque. Calidès est devenue une marque avec une identité visuelle. Ça a permis aussi d'avoir une communication facilité et robuste, puisque on savait tout de suite de quoi on parlait quand il y avait une affiche avec le logo Canidet, etc. Donc un calendrier, une marque et une identité forte en termes de com.
Et puis, après, une fois qu'on a le soutien de la direction, qu'on a les moyens de communication, il va falloir aussi aller engager les professionnels, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est une formation des professionnels par les professionnels. Donc, il va falloir après aller mobiliser les bonnes volontés pour aller construire le programme. Donc, ce sont souvent les responsables d'instance, mais pas que. Il y a aussi les correspondants qualité on a 50 correspondants qualité dans l'établissement, qui sont les ambassadeurs. Et puis, au fur et à mesure des années, il y avait un tel succès que de toute façon, après, ça a débordé ce cadre-là et il y a eu des volontés d'atelier par des gens qui n'étaient ni correspondants qualité ni responsables d'instance. Donc ça, c'est, je dirais, des incontournables. Et puis, pour suivre le projet, on a un Copil Calidet qui se réunit, alors au départ, tous les 15 jours, 3 semaines, puis de façon rapprochée au fur et à mesure qu'on approche de la date. Et ce Copil Calidet réunit qualité, CME, direction des soins, communication, etc. Donc, en fait, c'est ce Copil qui suit l'avancement du projet. En fait, on est vraiment dans une gestion d'événementiel aussi. L'un des facteurs aussi clés du succès de Calidé, c'est d'avoir donné à cette journée un caractère ludique, festif et convivial, avec notamment des ateliers qui sont axés sur le jeu, également des conférences qui sont de très bon niveau, et avoir mis au sein de cette journée des remises de prix, notamment pour récompenser le meilleur atelier ou pour récompenser un projet en faveur de l'amélioration de la prise en charge des patients, et également avoir associé des moments conviviaux dans la journée avec des pauses café, une pause repas, et puis un buffet de clôture. C'est, je pense, un aspect de la journée qui a permis de créer une vraie cohésion au sein des professionnels et une vraie fierté d'appartenance. Et aussi pouvoir décloisonner les professionnels entre les différents services. Ça permet justement de pouvoir développer une culture commune. En fait, le point sur lequel aussi on voudrait insister, c'est sur le rôle du service qualité dans l'événement. Finalement, l'événement, il est construit par les professionnels et le service qualité est le service support. C'est le service qui va concentrer les informations, qui va organiser la logistique, mais ce n'est pas l'effecteur. Il n'est qu'un concentrateur d'informations et un facilitateur. Ce qu'on a constaté aussi au fur et à mesure des années, c'est que les ateliers se sont de plus en plus, entre guillemets, professionnalisés. Parce qu'il y a une émulation qui se crée entre les différents participants. Comme Sandra l'a dit, il y a des prix. Donc, en fait, les équipes aiment chaque année se challenger. Bien sûr, pour avoir le prix éventuellement, mais aussi se challenger. Et on a vu un niveau de qualité d'atelier monter avec les années, et notamment sur les dernières éditions, des ateliers de très, très haut niveau, des vraies constructions de Serious Game, dont l'un d'entre eux a d'ailleurs été repris par Unicancer. Alors, comme dans tout projet innovant et nouveau, on est confronté à une résistance au changement et puis également à du scepticisme de la part des professionnels qui peuvent se poser la question sur l'intérêt de la journée et puis sa réussite. C'était du scepticisme qui pouvait venir à la fois des encadrants, des médecins ou des professionnels de terrain. Également, à l'époque, lors de la première édition de Calidé, le contexte financier du centre était difficile et certains pouvaient se demander pourquoi consacrer un budget financier à cet événement et également réduire l'activité du centre sur une journée pour former les professionnels à la qualité et la sécurité des soins alors qu'on avait besoin de faire des économies. Alors, tous les ans, on fait une enquête de satisfaction sur la journée et tous les ans, on a un taux de satisfaction de l'ordre de 4 sur 5 de la part des professionnels. Donc ça, déjà, en soi, c'est une réussite, mais on est sur de la mesure de la satisfaction. Ce qu'on note aussi, c'est qu'on a 9 professionnels sur 10 qui estiment que le format qu'on a choisi facilite les échanges entre professionnels, répond à leurs besoins de formation. Donc ça, déjà, c'était quand même le but recherché. Et leur permet de mieux comprendre les enjeux de la qualité et de la sécurité des soins. Donc là, on avait déjà une bonne mesure de l'atteinte, je dirais, d'un objectif. Après, on a voulu aussi aller mesurer
si effectivement la culture de la qualité et de la sécurité des soins s'était améliorée avec ces différentes itérations. Donc en 2018, à l'édition 2018, on a organisé un quiz en équipe de 2 heures. On avait 52 équipes qui, entre guillemets, s'affrontaient autour de 90 questions. On avait un tronc commun de questions selon les profils et puis après des questions par secteur, médico-technique, chirurgie, etc., etc. C'était des questions qui touchaient à la culture qualité sécurité des soins, mais aussi la politique du centre, etc., etc. Et au dépouillement, on s'est rendu compte que d'abord, on avait vraiment atteint un bon niveau de culture qualité dans l'établissement, puisque le taux moyen de réponse exacte était de 75% sur ces 52 équipes, et que l'équipe qui a gagné, puisqu'il y avait un prix quiz, était à 90% de bonnes réponses. Donc, on était assez satisfait finalement des résultats obtenus aussi en termes d'acquisition de connaissances. Et ce quiz nous a aussi permis de dégager à nouveau d'autres axes de formation à consolider, notamment d'ailleurs la culture qualité gestion des risques où ce n'était pas la thématique qui avait le plus récolté de bonnes réponses. Ou la gestion des ressources humaines, etc., etc. Mais on avait quand même 75% de bonnes réponses sur ce quiz, ce qui était une belle image de l'investissement engagé depuis 2011.